Allons-y. Concentration. Rapide. Je suis rapide. Non. Vitesse. Plus rapide que la lumière. Salut les Riders et Riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes à Bierfelden en Allemagne pour tester mon Rose Bike Rootsmiller. Alors, ce que j'adore sur ce bike park, et vous allez le voir, c'est qu'il y a beaucoup de modules en bois, que ce soit des passerelles comme ici, des wall rides un peu plus bas. Et ce qui est assez impressionnant, c'est de voir ce qu'ils ont fait sur, il me semble, 150 mètres de dénivelé. Donc franchement, bravo aux Shapers. Ok, et comme vous pouvez le voir, on a quand même de très jolis sauts. Énorme. Ok, et là, je pense qu'on est sur l'une des plus grosses doubles du bike park. Heureusement, ils ont mis un pont en bois pour pas qu'on tape. On est sur une double d'environ 8 mètres de long. Écoutez, je pense qu'on va retourner à la voiture pour s'équiper. C'est parti. It's showtime. Ah oui, et juste petite précision, j'ai re-réglé la caméra parce que vous avez été très nombreux à me dire que ça vous convenait pas de la dernière vidéo. C'est normal, j'ai fait une erreur sur le shutter speed. Je reconnais que j'ai fait des conneries. Dan Cushion, vous enlevez ça comme ça. Tac, 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 tac. Bonjour Mémel. Ça va vous? Moi ça va. Donc là on va partir pour se faire la première descente. Évidemment on va y aller cool. On va commencer sur une petite bleue, une petite rouge. Et puis petit à petit je vais vous amener sur les pistes de plus en plus dures. En tout cas ça fait vraiment du bien de rerouler. Surtout avec une machine comme ça, le Rootsmiller 3. Allez, assez de blabla, c'est parti. Allô. Et regardez les pistes, putain j'ai trop hâte d'aller dessus. Évidemment, hein, je précise, pour la première descente, on va y aller cool. Attention, là, c'est toujours un peu technique. Donc, vous prenez le manche. Titre. Et vous tirez vers vous et vous le lâchez. Oui, c'est parti. Oh, putain, je vais dans le fond, par contre. Oh, 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 oh putain. Et je me suis mis dans le fond partout. Hein. Titre. Allez, attention, session commentary. Ouh, là, on va vraiment pouvoir se satelliser avec le Rootsmiller. On prend le virage, tac. Ah oh, putain, mais c'est tellement bien shapé. Regardez-moi le flow. Ouh, hâte sur l'arbre. Je sais pas où je suis allé, pas grave. Ouh, attention, le virage. On s'insère, ça saute, hop là. Sortie, hop. On s'insère bien. On relance. Ouh, on se laisse coucher, on passe entre les racines. Oh putain, regardez-moi ce bonheur. Bonheur absolu, attention les virages. Vivement qu'on revienne avec Franky ici. Attention, moi je prends la passerelle. Je crois qu'on pouvait sauter, ouais, non. Ouais, bah c'est la première descente, hein. On va y aller cool. Hop là, entre les racines, attention. Oh. Hop là, le Rootsmiller porte bien son nom, pour ceux qui savent pas, c'est-à-dire broyeur de racines. Ah ouais, le wall ride. Hop là. Et là on va se prendre 25G. Oh. Donc ça c'était la première descente où j'y suis allé un peu tranquille. Alors petit compte rendu de la première descente, un pur plaisir. Autant le vélo que les pistes, que le temps, enfin c'est un bonheur absolu. On est reparti pour faire une deuxième descente, je sais pas encore laquelle on va faire. Oh bah c'est, hey, celle-là. Celle-là, elle est bien. Ok, alors là, on va partir pour la deuxième descente. Donc, je vais faire des pistes un peu plus typées enduro. Donc, enduro avec des racines, des virages. Et je pense que ça va être bien complémentaire. Donc là, la première, j'ai fait une rouge. Là, je vais refaire une rouge, si je dis pas de conneries. Et ensuite, je vais faire une bleue sur le côté. Et ensuite, à la fin de la vidéo, vous allez voir que ça va être les gros pistes, les grosses pistes noires. Et là, ça va commencer à bombarder. Bon, moi, j'y vais parce que j'ai pas que ça à faire, en fait.
pas avoir un autographe? Non. Demande-moi encore une fois et je te pète les rotules. Ok, allez, c'est parti. Cette fois, on prend la piste du milieu. Hop là. Bon, là, attention. Oh, ça sert à rien de... Oh merde, j'ai pris la mauvaise. Je reconnais que j'ai fait des conneries. Oh, ah non, c'est la bonne. C'est parti, maximum de vitesse. Allez. C'est une course enduro, mon gars. Faut pas te foirer. Faut rouler propre, faut rouler vite. Ok, ça relance. Oh putain. Oh. Ok, ah bon. Parfait. Ah, les racines. On s'insère là. Là, on prend l'intérieur. Voilà. Pour être direct aligné ici. Tac, on passe entre les arbres. Là, on se creuve. Hop là. Ok. On passe les racines. On va prendre celle du milieu. Hop là. Oh putain. J'ai chassé sur le côté. Putain. Concentre-toi. Dans chaque virage, ça fait. Et après, il y a. Hey, mais c'est hors temps. Casse le vélo. Ouais. Hey, Manon, t'as encaissé plus de jets que dans une centrifugeuse. Oh non, pas ça. Regardez, Christopher Froome va assommer le Tour de France. C'est surréaliste. Mais regardez cette attaque assise sur la selle, c'est incroyable. Et. Et là, va falloir prendre la gauche. Hop là. Donc celle-là, je l'ai pas encore faite. Attention le pierrier, on prend bien. Et là, je crois que c'est là où là, les grosses tables. Ah non, c'est là où là, le road gap. Oh, oh putain. Oh, ok, ça tape un peu. Oh, et là, faut pédaler. Oh, là aussi. Oh, eh, c'est physique à les rouler. Ah oui, il aura un gros wall ride après ça, je m'en souviens. Oh. Ah non, ils l'ont enlevé. Ah oui, ok, là ça a complètement changé. Ah, comme dit, ça fait plus d'un an que j'ai pu rouler ici. Ah. Ok. Oh putain. Je sais même pas si elle est ouverte la piste en fait. Là, ce que je vais faire, c'est j'attends qu'ils arrivent et après je vais faire la piste bleue qui m'a l'air bien roulante et en plus il y a pas mal de petits modules en bois sur lesquels on peut rouler. A few moments later. Ah, oh putain, oh là, il a failli. Oh, il a fait un triple edge le truc. C'était vraiment très intéressant. Maintenant ça va chier. Hop là, on va essayer de prendre la vitesse. Hop, le virage. Et là, il y a des modules en bois. Oh, c'est parfait, oh, c'est parfait. Ils sont en train de construire un truc. Enfin, je précise, c'est la première fois que je la fais, hein, donc tout doux le loup. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Attention les racines. Hop là. Oh, oh. Je sais pas si c'était prévu. Par contre, faut faire gaffe, là, pas mal d'endroits où on peut s'entrecroiser. Oh, oh, oh. Là, je sais pas c'est quoi, ça c'est un saut. Oh, ça, je sais pas ce que c'est. Oh, 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 oh putain. Ouais, oh, Alex, fais gaffe là. Faut pas se mettre trop loin. Oh, oh, oh. Putain, mais quel bonheur, les amis. Ah ouais. Vous êtes satellisé. On a Bierfelden en face de nous. Ouh. Tout ce que je peux lire, c'est Ich liebe Rosebike. Bienvenue au premier cours de allemand. Là, je viens de faire du coup la rouge et j'ai vu qu'il y avait deux autres pistes bleues. Donc, on va les faire. C'est parti. Pas de panique à bord. Le fun et la vitesse d'abord. Ok, là, alors on a fait la plus grosse partie des pistes. On va faire la piste bleue avec Mélissa, je pense qu'elle a un bon petit flow. Et après, une fois que j'aurai un peu récupéré, on ira sur les pistes noires. Showtime. On se finit belle. Ouh, regardez, comment déjà mettre du style. Putain, et t'as vu comment elle couche le vélo, là, Mémel, là. Digne d'un chef d'état. C'est parti, Blue Pomme sous un soleil radieux. Oh, ah, c'est bon, je me mets déjà trop loin. Terminé. Ouh, ouh, capoute. Oh putain, ça a l'air bon, ça. Oh, dans l'arbre, direct. Oh. Ok, il faut pas se tuer, n'oubliez pas. Ah, oh putain. Pas se tuer, pas se tuer. Oh, entre les arbres. Ah ouais, j'adore ce genre de piste. C'est le genre de piste, tu fais une erreur, t'es mort. Ouais, c'est marrant. Attention, regardez, je vais essayer de chasser. Nope. Oh, oh putain, mauvaise idée. J'ai tellement plus de crampons à l'arrière, tous les virages sont plus... Oh putain, Mémel, pas bonne idée. Monumentale erreur. Allez, Mémel, casse la baraque. Défonce tout, je veux que le crampon, il fume. Eh, qui fait le malin tombe dans le ravin, hein. C'est bien, Mémel. C'est pas mal pour une femme. Là, mon objectif, c'est de mourir. D'accord. Faisons comme ça. Hop là. Oh putain, regardez entre la forêt, c'est trop beau. Oh, 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 oh.
Ah, il y a du vent. Oh, je pourrais taper une petite sieste là. Ah. Ah. Allez. Hop là, ça s'insère bien. Hop là. Oh, hop là. Ok. Ok. Là, il faut pas aller trop vite non plus. Ok. Ok, ça va. Ok. Là, attention, faut serrer à gauche. Ok. Wow. Là, attention, ça va aller vite. Ok. Ok. Allez, faut pas toucher le truc en bois. Oh, ça, ça se met loin. Ok. 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 Ok, c'est bon. Ok. Ah, j'arriverai pas. C'était sûr. Tout le reste, ça va, c'est accessible quoi. C'est un peu dommage parce que là, ça, ça passerait tout seul. Ouais, c'est bidon quoi. Ah, des fois, il y a un saut qui te bloque toute la piste quoi. C'est un peu con quoi. Bon, alors, un petit débrief de toutes les descentes qu'on a fait. Franchement, un pur plaisir. C'est vrai que bon, là, sur toutes les pistes qu'il y a, en fait, j'ai fait une fois la descente et je suis passé avec d'autres descentes. J'en profite que je suis en train de monter pour vous dire de vous abonner et surtout de mettre la cloche de notification. C'est super important. Allez. Là, on va sur la dernière piste que j'ai pas encore faite. C'est une piste bleue. Ouh. Oh putain, regardez, ça va être magnifique, je le sens. Allez, les racines, hop là. Oh, ça m'a l'air vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Ouh. Ah non, mais c'est un bonheur. C'est un bonheur. Oh, oh. Oh putain. C'est bon ça. Ah là, je crois que le Rottweiler, mais il est dans son élément, mais puissance 1000 quoi. Allez, on passe entre les arbres. Du coup, je sais même pas si cette piste l'ai déjà faite ou pas. Je sais pas, elles se ressemblent toutes les pistes bleues. Ouais, raciste. Ouais, il me semble que je l'ai pas encore faite celle-là. Ok. Ah oui, ça, ça me dit quelque chose. 1 million, c'est le nombre de malades d'Alzheimer en France. Bon voilà les riders et riders, j'espère vraiment que cette vidéo à Bierfelden vous a plu. Ça m'aura permis de faire un test un peu plus approfondi du Rottweiler. On se dit à la prochaine normalement pour le 6 épisode avec Frankie. Je le répète, ça va être une vidéo d'anthologie, donc n'oubliez pas de mettre la cloche pour bien avoir la notification. Prenez soin de vous, ridez safe. Ciao. Allez, la bise à tout le monde. J'ai du travail, hein, les likes continuent à monter, j'ai du coaching, ça se passe bien. Quelle indignité.